Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la République latine traverse une crise politique. La corruption, les affrontements de rue, les guerres civiles, la misère dans les villes. La situation est absolument intenable pour les Romains. Et dans le désordre qui s'installe, les plus ambitieux tentent d'en profiter. Pompée, Crassus, César, ils sont prêts à tout pour se hisser dans les plus hautes sphères de l'État. Prêts à tout, jusqu'à même déclencher d'immenses conflits avec leurs voisins. Pour César, ce voisin sera l'ennemi héréditaire de Rome. Les Arvernes, les Écanes, les Armoricains, tous ces peuples qu'on appelle Gaulois vont se faire écraser par une machine de guerre. Alors comment se sont-ils battus? Quelles résistances ont-ils opposées? Et quelle fut la conséquence de ce conflit sur le destin de l'Europe? Toutes ces questions, nous tenterons d'y répondre dans une nouvelle série de vidéos. César et la guerre des Gaules, bientôt disponible sur la chaîne YouTube. Bah oui, merci. Merci à tous les abonnés qui ont du coup donné sur la plateforme Tipeee, puisque tous vos dons ont permis de financer ce nouveau projet. Alors depuis le lancement du Tipeee, du coup c'était le 25 décembre pour Noël dernier, on est à peu près à 800 euros récoltés. Donc c'est pas mal, ça fait à peu près 100 euros par mois. C'est vraiment super et du coup ça m'a permis de financer en fait tous les investissements nécessaires pour développer la nouvelle série. Investissement que je vais vous présenter maintenant. Alors qui dit série historique dit forcément achat de livres, de bouquins pour rechercher des informations. Moi j'ai choisi deux livres, voilà, pour écrire des scripts. Le premier, César, chef de guerre, aux éditions Texto, écrit par Yann Le Boeck. Yann Le Boeck est du coup un spécialiste assez reconnu de l'antiquité romaine, en tout cas pour tout ce qui touche au militaire. Et alors, du coup j'ai trouvé son livre très très bien imagé, très très bien expliqué, tout est simple, ça se lit parfaitement, c'est très fluide, et pour quelqu'un qui connaît pas forcément la période comme moi, ça a été vraiment une très belle découverte. Yann Le Boeck, aux éditions Texto, César chef de guerre, du coup pour tout ce qui a trait au militaire, au côté militaire de César. Alors après sur la chaîne, vous savez qu'on fait souvent le pont entre le politique et le militaire, on ne peut pas comprendre la guerre des Gaules, et d'ailleurs Yann Le Boeck le dit, on ne peut pas comprendre la guerre des Gaules si on ne s'intéresse pas au contexte politique de la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté César aux éditions PUF, de Christophe Badel, voilà, qui est un enseignant à l'université de Rennes, où j'ai fait mes études. Donc voilà, et alors ce livre est pareil, alors beaucoup plus court, hein, mais très condensé, et surtout qui explique bien en fait le parcours politique de César, puisque contrairement à Napoléon, César était un politicien avant d'être un militaire, en tout cas avant d'être un grand général. Et ce livre, du coup, retrace très bien son parcours. Alors, pour tout ce qui est cinématique de jeu, du coup, j'ai investi dans deux jeux vidéo, Assassin's Creed Origins et Total War Rome 2. Alors, pour le premier, si vous connaissez, alors c'est une claque graphique, ça c'est sûr, ça donne des cinématiques absolument fantastiques. Par contre, ça se passe en Égypte. Voilà, géographiquement on n'est pas bon, mais ça se passe à l'époque de Jules César, on voit même César arriver dans le jeu, donc historiquement on est bon, géographiquement un peu moins, mais ils ont reproduit une province en fait romaine dans le jeu, et cette province n'a rien à voir avec l'Égypte antique, en fait tous les paysages sont très méditerranéens, nord-méditerranéens, ce qui nous permet du coup de nous considérer à Rome, il y a même une ville romaine, voilà, romanisée, donc je pense qu'on sera bon pour filmer les scènes de vie civile, expliquer le quotidien des Romains, grâce du coup aux images de ce magnifique jeu développé par une société franco-canadienne. Pour tout ce qui est du militaire, donc là j'ai pas innové, je suis allé prendre Rome Total War 2, voilà, je m'amuse à filmer des combats individuels. Graphiquement je le trouve un peu moins bien que Napoléon Total War, pourtant il est plus récent, mais je sais pas, je trouve les couleurs un peu moins bien, bon j'ai essayé de truquer ça avec des effets, mais voilà, bon, il reste quand même très sympa et très complet quand même. Alors, ensuite, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de jeu vidéo pour filmer les Gaulois.
Dommage. Alors il y a Astérix et Obélix, mais bon, c'est pas sérieux. Du coup, ça m'a vraiment embêté, ça m'a même retenu. Au début, je pouvais pas faire la guerre des Gaules. Je me disais, je veux pas faire la guerre des Gaules. Pourquoi? Parce que bah j'ai pas de jeu vidéo pour représenter les Gaulois, pour en parler, etc. Mais alors du coup, j'ai trouvé peut-être une solution. La première, c'est d'utiliser du coup des dessins sur le logiciel de cartes que j'utilise, qui s'appelle Incarnate. Je t'en avais parlé dans ma fac, voilà, donc là j'ai réussi à faire un dolmen, bon, bah, c'est un début, mais globalement c'est ce que je vais faire, et puis je collabore du coup avec un dessinateur qui dessine du coup les personnages pour l'instant, et qui peut-être plus tard pourra faire des illustrations de villages, ou je ne sais pas quoi, pour expliquer le mode de vie des Gaulois, essayer de s'immerger dans leur quotidien, voilà, pour expliquer toutes les tensions qui peuvent naître et expliquer leur mode de vie aussi qui est assez peu connu. Alors dernière chose, j'avais en effet parlé du 19e siècle et de la Première Guerre mondiale que je souhaitais développer après Napoléon. Ça c'était le programme. Le souci c'est que il y a deux choses qui sont passées. La première c'est que le télétravail n'est plus infini, voilà, n'est plus total. Il n'y a plus de chômage partiel, etc. Donc c'est retour au présentiel, retour dans les transports, etc. Bon, comme tout le monde. Et la deuxième chose c'est que ben je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire ce que je voulais avec le 19e siècle, Napoléon III et la Première Guerre mondiale, bah, il me fallait beaucoup de recherches, de lectures croisées, etc., pour raconter ces périodes qui sont peut-être les plus complexes de l'histoire, enfin de l'histoire de France en tout cas. Voilà, ce qui du coup n'était pas possible avec le retour au présentiel. Donc, ce que j'ai décidé, du coup, c'est d'aborder des sujets moins complexes, le temps, voilà, d'accumuler un peu les informations, le temps de faire mes recherches, le temps d'être à l'aise pour lancer une grande série sur Napoléon III ou la Première Guerre mondiale. Donc, la guerre des Gaules, c'est le plus simple. Là, pour moi, c'est magique. En termes de recherche, il n'y a pas beaucoup à faire dans le sens où il n'y a qu'une seule source. Il n'y a que César qui parle de César en Gaule. Donc, voilà. Ensuite, c'est que des interprétations. Et je pense que la guerre de Cent Ans et Louis XIV suivront après, du coup, en 2022. Voilà. Et puis, 19e siècle, Première Guerre mondiale, ça se développera un peu plus tard. J'avais même commandé un logo qui, du coup, avait trait à Napoléon III et la guerre, enfin, la guerre franco-prussienne et la Grande Guerre. Voilà, donc j'utiliserai quand même le logo, je pense, parce qu'il est magnifique. Et puis, il aura du sens un peu plus tard lorsque j'y viendrai. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois d'août, un bon Covid et une bonne rentrée. On se verra, du coup, pour Waterloo et pour la guerre des Gaules.